C'est extrêmement important pour nous, étant donné qu'on est streamer, de montrer Exactement. qu'on est un esprit sain dans un corps sain. Vraiment, Ouais, c'est... non mais je plaisante pas, on essaie vraiment de faire au maximum pour vous montrer les choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Et voilà. je suis assez d'accord avec toi. C'est une bonne. C'est... C'est assez. Faut pas... Oh, ma bière est là-bas. Vous pouvez en parler à vos parents autour de vous et dire, regarde, je vais pas regarder n'importe qui. Ils sont quand même plutôt sains de corps et d'esprit et ils ne me font pas voir. Et déjà, ils disent jamais d'insultes. Jamais, on ne Déjà, ils sont beaux. d'insultes. Déjà, on est beau. Ça, c'est le plus gros, le truc Enfin, le plus important. je sais pas, mais... Regarde ça, regarde ça. Attends. Putain. Là t'as les escaliers en dessous. Ok, nice. Là, je le vois. Non, sur moi. Ok, je le vois, le je le vois. bit. Ah putain, pas devant. Mais fils de p*** là p***, mais comment est-ce qu'il peut rusher comme ça? Je sais pas ce qu'ils font les autres. Putain, mais les mecs font rien du tout. Le mec il vient ici alors qu'il y a 12 000 barbelés, personne ne parle. Ah, je rage. C'est quand Pas même mal, beaucoup plus sain de nous regarder, je veux dire. Plutôt que de regarder ces imbécilités à la BFLTV où ils arrêtent pas d'utiliser des insultes, ces enfants. On est greedy, hein. Un peu. Oh, tu l'as. Bien, 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 mec. Bien, bien. Ça m'a sorti le gadget. Ah, je sais pas, mais du coup on se fait rect. J'ai plus du cul là. Il est... Dégage maintenant, dégage. Pars-toi avec ton pote. Time expires in 10 seconds. Il aille sur toi. Tu Joe. Oh là là. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Alors ça c'était une très très belle action dans son ensemble. Non, non, c'est sûr que c'est pendant 1 h 30. Moi j'avais un pote en collège, il s'appelait La Verge. Stéphane, si tu nous regardes. Ouais, je pense que de ses ancêtres devaient se pignoler bien comme il faut. C'est parce que c'est clair, tu essaies toujours de savoir pourquoi est-ce que le mec s'est appelé La Verge. Non, faudrait regarder l'ancien français et tout. C'est vrai que c'est intéressant parfois l'étymologie des noms et. Bah, La Verge, ça se trouve, le mec était médecin ou. Non, pas médecin, au Moyen-Âge. Non, je pense qu'il avait une grosse tub. Ouais, je pense vraiment qu'il avait une tub énorme. Oui, j'ai fait un kill. Du coup, j'ai pas la mort. Regardez ça. Regardez ça, c'est assez dingue. On t'a reconnu, Manu. On sait que c'est toi, Manu. On sait qui t'es, Manu. Et dites-moi que vous êtes pas en stream, les gars, s'il vous plaît. Bah, aussi, il y a juste 375 personnes qui se sont foutues de la gueule de Manu. Je te jure. Oh putain, non. On est avec Manu, les gars. Tu passes à la télé, Manu. Yeah. J'aime bien les gens qui sont cool comme ça. Et Manu, je connais pas plus que ça à vrai dire. Mais c'est sur Twitter, je sais qu'il est sur Twitter quoi. Allez Manu. Allez Manu, monte-nous ton cul. One on bonsight.
Allez Manu, le joueur français qui va... Saute par la trappe. Saute par la trappe. Par la trappe, joue la Valkyrie, récupère le diffuseur, tu plantes, t'as gagné. C'est bien mieux. Dommage. Bon, avec du skill, ça passait. J'ai l'impression de pas être à l'aise dans le jeu. Il y a un truc. Ok, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ? Parle-moi. Alors, je sais pas. Alors, est-ce que ça t'arrive ? Tiens, réponds à cette question et ça pourra peut-être intéresser les viewers. T'as l'impression que dans le jeu, il y a tout qui va trop vite et que t'es au ralenti, quoi. Ou que toi, t'es trop long par rapport à tout. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, t'as l'impression d'être dans le futur, quoi. Et là, j'ai l'impression d'être en retard sur tout, quoi. Sur mes tirs. Ça m'arrive. Quand je tire dessus. Quand même, quand je tire dessus, t'as l'impression que ça te touche. Alors, pas. Je vais juste te poser une série de questions pour essayer d'identifier la problématique. Ok, vas-y, merci, docteur. Combien de bières ? 2 ou 3 ? 0, je vois jamais l'alcool. Ah ouais, ok. Bah, j'ai pas d'autres questions. Je vais mourir. Il a réussi à louper ça. Elle rentre. Bah elle est con comme un balai quoi. Le fait qu'on n'ait pas renforcé cet endroit là. C'est bien mérité. Oh merde, ça m'a repéré. Ton angle est bon, pique pas. Eux ils ont un grand angle. Reprends l'angle que t'avais avant. Voilà, celui-là. Ça c'est un angle cassé. Monte et stop, attends. Prends la ligne derrière le frigo. Voilà, stop, pas plus. Et là c'est un kill facile. C'est un angle cassé, ça s'appelle. À gauche en couleur. Ils peuvent rien faire là. T'aurais décalé plus, c'était mort. Alors, l'angle cassé, tout simplement. Clear backboard. Bon, alors, comment est-ce que je pourrais faire ça ? On avait le mur qui était comme ça. On avait le mur qui était comme ça et qui partait du coup comme ça, en fait. Ok ? Au fond, on avait. Au fond, on s'imagine bien évidemment que ça partait comme ça, vu en 3D, bien évidemment. Exactement comme ça. Ok ? Moi, je dirais comme ça. Ensuite, on avait le corridor qui venait ici. Et là, forcément, on a les escaliers. Boum ! Vous y êtes ! Vous le voyez là ! Tout de suite, projection. J'adore. Alors, bien sûr, là, il y a le podium, machin. Là, il y a une petite bouteille de vin. Si tu as une personne qui est ici, ok ? Si tu as une personne qui est ici, il a déjà un angle. Ou il y a la possibilité que cette personne ait un angle. Si tu connais la map par cœur, l'angle qu'il va avoir, par exemple dans mon dessin qui n'est pas vraiment à l'échelle, hein, la porte serait en fait plutôt ici, on est bien d'accord, mais bon, bref, on va considérer qu'elle est là. L'angle le plus logique, par exemple sur mon dessin, ce serait d'avoir ça. Ok. Si je vais jouer, moi, en étant défenseur, cet attaquant-là, j'ai un angle ouvert. Ça s'appelle un angle ouvert, c'est un angle direct, c'est une ligne directe sur une ligne qui est déjà connue. Donc je vais aller le décaler, moi, ici, et prendre le risque de me prendre une tête alors qu'il est peut-être en train de m'attendre. Ou de toute façon, même s'il ne m'attend pas, et s'il avance et que c'est un bon joueur, il gardera de toute façon que cette ligne-là. On peut l'imaginer, c'est la ligne la plus logique qu'il va prendre. Il va prendre la ligne qui va être sur l'angle le plus à sa gauche. D'accord ? S'il est tout seul, bien sûr, il va peut-être switcher de temps en temps avec un autre angle comme ça, là, ok ? Mais il va surtout garder cette ligne. Si tu prends cette ligne-là, tu t'y attends. Alors que si, par exemple, on avait les trous qui étaient créés tout à l'heure avec Mira et tout, et que toi, tu te positionnes à cet endroit-là, l'angle que tu vas prendre, c'est un angle cassé. C'est celui-là. C'est ça, l'angle que tu prends. Parce que lui, à aucun moment...
à aucun moment, s'il a pas vu la topographie, etc., s'il a pas balancé son drone, machin truc, s'il a pas balancé son drone, à aucun moment il va t'attendre sur cet angle-là. C'est pas un angle connu. C'est pas un angle ouvert. C'est pas un angle, déjà, un qui est connu. Et en plus, c'est pas un angle qui va être facile pour lui à gérer, puisque de toute façon, s'il t'a pas droné, il va pas te pré-shot à cet endroit-là. Donc tu as l'avantage. Ok. Si moi, par exemple, je suis un joueur de jeux vidéo, ok, il y a deux angles que je vais aller prendre. Il y a celui-là que je pourrais aller prendre. D'accord ? C'est aller chercher l'arête qui se situe ici. D'accord ? Ou celui-là. Ok ? Très bien. Mais au fur et à mesure que j'avance, l'angle se décale. Et à chaque fois, il faut que je réadapte mon truc. Ok ? Bah là, ce que tu vas faire, forcément, c'est de te mettre à une position. Tu vas pas aller décaler le joueur sur un angle qui est déjà connu. Non, tu vas venir le jouer à un endroit où tu sais que le joueur est obligé de passer et à un endroit où tu sais que lui ne va pas forcément venir te chercher. Exemple, là, voilà, avec cet angle-là. Et du coup, tu prends un angle cassé. Tu vas pas venir le décaler sur un angle ouvert. Donc le move de Merrick aurait été ça, là, pas bon. Map, map. Putain, mais le truc est ouvert, je suis con. Putain, mais ça m'énerve. Putain, de pas être capable de faire un kill à des endroits aussi ridicules là. Et là, pareil qu'hier, exactement au même moment qu'hier, de la même façon qu'hier, exactement pareil. Ça se déconcentre au moment où on commence à gagner, on se prend une remontada par des putains de noobs. Et ça, mais qu'est-ce que c'est relou, putain. Mais toujours pareil, quoi. Toujours pareil. Tout le temps. Qu'est-ce que ça m'énerve. Putain, tu leur demandes juste, allez, va te concentrer un peu, prends ton putain de personnage, va pas voir ton chat baiser ta rhum. Putain, casse les couilles. Loul, MDR, Zizgab, qui est un joueur un peu rageux, un peu vénère. Vénère. Bah voilà. Vous voyez, comme quoi je suis un mauvais perdant. Très mauvais perdant. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve, ça m'énerve. Oh putain, c'est une clope que je voulais. J'arrive. Je disais donc que 6-4 est une grosse daube ambulante qui n'est pas capable de faire un clutch contre un mec et il n'est pas surtout capable de voir que la mira était ouverte. J'ai hésité à lui dire, mais il m'aurait à faire un chut 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 de Bermelin et c'est plein de sang, putain. Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux comme League of Legends? Est-ce que vous avez déjà joué à League of Legends? Quand je veux dire jouer, genre pas entre potes, genre avec un petit côté compétitif. Tu vois, tu fais de la ranked avec ce petit truc compétitif. Est-ce que t'as déjà joué à League of Legends? Sérieusement. Ce jeu, c'est exactement la même chose. La plupart du temps, tout le temps, c'est des remontadas parce que les mecs à un moment ont été greedy parce qu'ils se sont dit bon non mais c'est bon ça passe, bah non parce que c'est bon ça passe. Et après une perte de concentration plus une autre, tu perds une lane et après c'est snowball effect. Alors que, et donc les mecs après vont passer 40 minutes de la game, voire 20 minutes de la game à essayer de rattraper une connerie où ils auraient juste eu besoin de la concentration pendant 3 minutes, les 3 minutes supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu te prends un clutch dans la gueule? C'est la même chose. Un clutch, c'est pas parce que le mec a bien joué. Jamais. Un mec qui met un V5, mon 1v5 par exemple sur Clubhouse là que j'avais mis pendant la Pro League, c'est pas parce que j'ai bien joué. C'est parce que les mecs en face ont mal joué. C'est parce que les mecs ont été ridicules. C'est eux qui ont mal joué. Tu réussis un clutch 1v4, 1v5, les mecs ont mal joué. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, le mec est tout seul, excès de confiance, greediness, et au lieu de freeze le jeu et de prendre un peu le temps, eh ben, ils se donnent one by one. Et après, qu'est-ce qu'il leur reste? Les larmes pour pleurer et se rappeler. Putain, tu te rends compte? Cette partie-là, si on l'avait joué un tout petit peu comme ça, différemment, on aurait pu être champion. On aurait pu gagner notre enquête. On aurait pu. Tu finis la phrase comme tu veux. Sorry, je suis vénère. T'es là? On relance ou pas? Mary, t'es là ou pas?
pas voir le live de Mary. Il est en train de se foutre de ma gueule, ce fils de pute. Concentration, c'est tout ce qu'on je demande. Quand je te dis, à un moment, tu sais, quand tu sens, tu me connais en plus, Mary. Tu le sais quand je te dis un truc avec une intonation, genre, attention, là, un petit peu de concentration. Genre, prendre le top floor, tu vois, par exemple, l'excès de confiance. L'excès de confiance. Tu prends le top floor sur Oregon, sans Valkyrie. Top floor sur Oregon, sans Valkyrie. Je veux dire, ok, on est de nuit, donc c'est relou, ok. Mais t'as envie de gagner, tu prends une Valkyrie. Tu vois, tu mets deux caméras bien placées, la game, elle est gagnée. Il n'y a même pas besoin de te prendre la tête, la game, elle est gagnée. Mais non, les gens se disent, bon non, j'ai envie de jouer l'opérateur que je veux. Bah non, j'ai envie de jouer l'opérateur que je veux. Bah vas-y mec, joue l'opérateur que tu veux, et puis on va la perdre celle-là. Au lieu de donner un tout petit peu de ton temps et... You need to shut the fuck up.